Voilà, nous sommes encore là. Cette fois-là pour parler de l'énumération. J'enlève ici et j'enlève tout ça. Voilà, on va parler de l'énumération. Énumération, on met énume. Énume, non. Ok. Énume, non. Et puis, on met les accolades là. Et c'est tout. Vous pouvez énumérer les noms, vous dites par exemple Lolo, Popo, Veillon, Capolo, Kipili. Ok. Bon, ça c'est l'énumération. Et maintenant, si vous voulez utiliser ça plus tard, donc vous pouvez juste créer une variable, par exemple var nom qui est égal à nom. Maintenant là, nom, j'appelle ce qui est là. Bon, ici j'ai mon pluriel var nom pour différencier avec ça. Point, vous voyez, il énumère déjà tout. Si vous dites capolo, et puis vous faites ça, si vous printez, non, vous allez voir que ici il va carrément vous afficher en bas Capolo. Ok, voilà comment si vous pouvez utiliser l'énumération. Et surtout, l'énumération sera très importante à ce niveau si vous l'utilisez dans les conditions. Par exemple, si vous dites if non, vous voyez, vous mettez if non égale non point lolo. Vous voyez, ça c'est clair déjà. Et puis vous dites, vous affichez par exemple print ici c'est lolo. Ok, et quand vous faites ça, on enlève ça et on enregistre, on exécute. Si on bon, on vérifie. Vous voyez, il n'affiche rien parce que ici c'est pas Lolo. Et si vous mettez là-bas Lolo, ok, vous affichez paf ici c'est Lolo. Voilà, c'est ça quand même l'importance de l'énumération. Vous pouvez utiliser ça dans les case if, vous pouvez utiliser ça dans les if, vous pouvez utiliser ça dans les selon que et autres. Donc l'énumération est très facile à appliquer. On essaie de parcourir un peu notre langage de programmation Dart et on va voir la suite. Si il faut juste vous exercer, la suite Dart, nous allons l'utiliser avec Flutter.